is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est aujourd'hui, Kéliane. On est jeudi. Kéliane est juste là. On est jeudi, on vient juste de finir de se préparer. On va aller rejoindre Angélique et Stella, prendre un petit déjeuner et ensuite on va aller marcher comme on fait tous les jours. Je voulais juste vous dire quelque chose parce que quand vous allez regarder ce vlog, vous allez voir que ce vlog n'est pas très, n'a pas beaucoup de contenu et c'est tout à fait normal, on s'en doutait. En fait, tout simplement le matin, tiens, on frappe, ça doit être... C'était là où Angélique. En fait, le matin, on essaie de marcher. Et l'après-midi, la petite Stella a cours de 14h30 à 18h30. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est pas trop possible de faire les choses l'après-midi. Mais on se retrouve. Bon, on est arrivé, nous sommes à Paris. Les filles, elles prennent des photos, Angélique et Stella. Kéliane, il est là. Bon, alors on se retrouve au jardin des Tuileries. Regardez, super joli. Et il est déjà midi, on se rend compte que finalement il va falloir qu'on y aille. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait on fait pas grand chose, hein. On se balade un petit peu le matin, puis l'après-midi on retourne à l'hôtel. Donc là voilà, dans maximum une demi-heure on retourne à l'hôtel parce qu'il faut que Stella soit en place pour ses cours à 14h30. Donc voilà, qu'elle puisse un peu respirer. Mais bon, c'est agréable, on a de la chance, il fait beau en plus et c'est cool. T'as vu, maman, il y a un bateau. Ouais, j'ai vu. Et on a un beau soleil, on a vraiment de la chance. Ouais, il fait super beau. Du coup, on est à la terrasse de l'hôtel, on est en train de manger. Vous voyez, c'est pique-nique, mais c'est super bon. Voilà. Elle a... Ça sent super bon. Angélique a choisi une quiche saumon épinard. Stella, elle a pris des pâtes au saumon. Kéliane, une pizza jambon fromage. Et moi, une pizza quatre fromages. Voilà. On a mis du temps à se décider, mais c'était bon. Ouais. On a fait deux boulangeries. On a regardé toutes les boulangeries, quand même. J'avoue. On était dans différentes boulangeries pour ce qu'on voulait. On a décidé de se prendre un petit thé. Voilà. C'est cool. C'est super calme, il n'y a personne. Bon, on est tout en haut de l'hôtel, regardez comme c'est joli. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est notre dernier jour ici. On va repartir avec Kéliane demain après-midi. Angélique et Stella vont partir demain matin parce qu'elles prennent l'avion pour New York. Voilà, on sait que c'est notre dernier jour, donc on a un petit pincement au cœur. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus et on était tellement contente et tellement en harmonie quand on s'est vus qu'on n'a plus envie de se quitter. Mais c'est comme ça, c'est la vie. On va se revoir d'ici quelques mois. De toute façon, voilà, on s'est promis de se revoir régulièrement. Donc on verra bien avec cette histoire de Covid. C'est ça aussi qui complique un peu tout. Sinon, on aurait peut-être pu se revoir en décembre ou février. Voilà. Mais sinon, voilà, on a bien dormi. C'était cool. J'avoue qu'on se couche super tard depuis qu'on est là. Hein, Kéliane? Oui. Franchement. On se couche très très tard. Mais voilà, on essaie de profiter à fond et de ne pas perdre un instant en fait. Mais du coup, on le paye un petit peu quand même. On a du mal à se lever, mais on dort très bien la nuit. Franchement, la literie ici, dans cet hôtel, est superbe. D'ailleurs, je vous mettrai le nom de l'hôtel juste là. Ça vous permettra, à vous, si vous voyagez en région parisienne ou Paris et que vous cherchez un hôtel, franchement, celui-ci est pas cher, je trouve.
parce qu'on est quand même très proche de Paris. La ligne 13 est à 200 mètres. Franchement, c'est trop pratique. Donc voilà, c'est vraiment un hôtel que je recommande. Chambre, j'ai rien prévu là. Je vous ai posé sur une valise. Il y a une table, j'ai mis ma valise et la caméra dessus. J'espère que ça va le faire. J'ai pas mon trépied avec moi, hein. J'ai juste emmené ma caméra, donc je fais comme je peux. Et je voulais vous montrer ce que Angélique et Céla nous avaient ramené des États-Unis. Elles ont ramené déjà ce sweat, c'est pour Kellyanne. Voilà, avec un petit motif comme ça ici. Il est hyper sympa, taille M, parfait pour lui. Ensuite, il a eu celui-ci, un sweat blanc. Vous savez, à capuche, c'est plus un, ouais, un sweat gilet à capuche, comme ça. Tout blanc. Donc, super sympa. Moi, j'ai eu ce sac que j'adore. Elle a le même, Angélique. Je trouve ça trop canon. C'est un Victoria's Secret. Et elle a le même. Il est super grand. Moi, il me faut ça. Hein. Parce que des fois, j'avoue, je n'ai pas de grand sac. C'est un peu la galère. J'en avais un autre aussi. Il est où? Il est là. Elle m'a ramené celui-ci également, qui est hyper classe. J'aime trop. Pareil, c'est un Victoria's Secret. Bon, celui-ci, je l'utilise depuis qu'elle me l'a ramené. Je l'ai utilisé tout de suite. J'ai également un jogging pour Warren. Alors, il y a le bas et le haut. Comme ça. La capuche. Et j'ai ça également pour Clément. Il va être super content. Voilà. Oui, j'arrive. Yes. C'était la femme de ménage. Je pensais que c'était Kellyanne. Non, c'est la femme de ménage. Bref, je continue donc ce sweat pour Clément, qui est hyper cool aussi. Donc voilà. Écoutez, on est gâtés, hein? Que vous dire? Donc voilà, je suis trop contente. Ça m'a fait vraiment plaisir. Là, je l'attends. Elle est partie acheter 2-3 petits souvenirs pour des amis à Stella. Aux États-Unis, donc elle va revenir et puis ensuite je pense qu'on va tourner le retour de course parce qu'elle a un retour de course à tourner. Ça va être hyper sympa parce que c'est vraiment c'est fou en fait. Toutes les personnes qui sont expatriées, quand elles viennent en France, on ramène tous et toutes les mêmes choses. On ramène très souvent les mêmes choses, c'est-à-dire des sucreries, des bonbons, des gâteaux. Dans la chambre d'Angélique, Stella est en train d'étudier la cour et puis Angélique pendant ce temps là elle a tourné un petit retour de course. Là je suis en train de lui monter sa vidéo et puis je vais faire sa miniature, tout ça, je vais lui mettre en ligne. Pendant ce temps là elle range parce que Angélique a tellement de choses qu'il était nécessaire de s'y prendre maintenant. T'as vu, dans l'hôtel, je laisse tout traîner. Alors là, moi, je suis cool. Autant à la maison, je suis un peu maniaque. Mais autant dans les hôtels, je laisse. Quand j'ai un problème pour celle-là, je sais pas où je vais les mettre. J'ai plus de sac et tout. T'as pas un sac à dos? Oh, il est plein. Suite Stella, le sac à dos. Ah mince. Donc, du coup, je vais essayer de trouver un petit sac plastique et les mettre dedans.
C'est toujours les trucs du linge qui sont pénibles. Bon, il est 7h. Angélique et Stella se préparent à partir. Regardez. Donc voilà, on va leur dire au revoir. On a fini toutes les valises, on a été bien quand même. C'est ouais, il y a déjà une valise qui est descendue, il y en a une qui est ici. Je vais pas me passer à la boulangerie française avant de partir. Un petit rappel de... Nous pas. Angélique a acheté une baguette qu'elle a mis dans son sac et puis là, elle a acheté des petites viennoiseries. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir que dans l'avion, ils ne leur donnent pas à manger à cause du Covid. Donc voilà, elles vont se ravitailler un petit peu. C'est dur ce matin. On n'est pas vaillant. C'est dur ce matin. C'était trop tard à papoter hier, à rigoler. Un petit peu plus tard, il est 10h30, Angélique et Stella sont partis et je voulais vous montrer ce que j'avais acheté à Sébastien parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et voilà, j'avais vraiment envie de lui faire plaisir, donc je suis allée dans une boutique qu'il adore, Eden Park, voilà, et je lui ai pris deux petites choses, ça va vraiment lui faire plaisir, je pense qu'il s'y attend pas du tout. Je vais vous montrer ce que je lui ai pris. Obligé d'enlever le paquet, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Alors, je lui ai pris ce premier pull comme ça, qui est hyper joli. Je sais que ça, c'est vraiment le style de Sébastien. Regardez, comme ça. Ça, c'est bien ça pour mi-saison et hiver, c'est super. Voilà, ça c'est vraiment son style. Et voilà, je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Alors voilà, je vais les replier pour être sûre de ne pas l'abîmer. Et ensuite, je vais prendre celui-ci. Alors les couleurs, c'est fait exprès, hein. C'est parce que je sais que c'est les couleurs qu'il aime. Voilà, j'ai pris celui-ci comme ça, avec juste le petit logo Eden Park. Ici, il est zippé au milieu. Il monte un peu le col. Et derrière, il est comme ça. Voilà. Je vous montrerai quand ce sera sur lui directement. Mais j'adore et c'est tout à fait son style, quoi. Donc voilà. Je suis trop, trop contente. J'espère que ça va lui faire plaisir. Bon, allez, c'est parti, on s'en va, il est 1h moins le quart, donc il est à peu près l'heure pour quitter la chambre. Déjà, ils nous ont laissé la chambre un peu plus longtemps que prévu, donc c'est vraiment gentil de leur part. Là, on part à la gare Montparnasse, on a notre train à 15h30 et on arrive normalement à La Rochelle à 18h15, voilà. Alors, papa ouais. Bon, en même temps, j'avais un indice quand même, hein, parce qu'on vous... Hein. J'ai juste Sylvie, elle m'a dit t'as tout de suite vu, bah j'ai oui hein, parce que c'était déjà vu d'avance. Y'a pas de cadeau. Oh, regarde, je suis paré. Waouh. Waouh. Il est beau hein. Ouais. Il te plaît plus. Bah oui, parce qu'en plus je suis passé devant la vitrine le jour. J'y tiens, j'en parlais justement avec à Sylvie, c'était quand dans la semaine. Ouais, nickel. Ah super. Ouais. Ah j'aime. Hop. Voilà, comme papa il aime. Ouais. Les maillots. Et ton papa, il avait parié que t'allais oublier. Non, non, t'as vu? Et papa n'a pas oublié. Ah oui. Non, parce que maman, c'est la reine pour oublier les anniversaires. Bah oui, c'est vrai ça. Ou quelquefois, t'as le titre, mais à midi. Bon, bah c'est bien. Je savais que ça allait lui faire plaisir. Bon, écoute, merci. My heart is beating too.